Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour retrouver vos onglets sur Safari rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Alors comme vous pouvez le savoir, en fait vous pouvez supprimer vos onglets donc Safari, c'est-à-dire tous les onglets que vous avez ouverts sur Safari, vous pouvez les supprimer. Donc là moi vous pouvez voir que j'en ai 4 d'ouverts. Voilà, mais on peut les supprimer. C'est-à-dire, imaginons que je vais là, je peux cliquer sur supprimer et vous pouvez voir qu'il a été supprimé. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto qui va vous permettre de retrouver ces onglets ouverts. Alors, ça peut être super intéressant, par exemple, si vous travaillez beaucoup sur votre téléphone, iPad ou autre, de pouvoir retrouver ces onglets rapidement et simplement. Voilà, donc ça vous évitera en fait de retaper directement le site ou autre, de redéfiler, par exemple, si vous avez acheté quelque chose. Ou autre. Voilà, donc ça c'est vraiment une astuce super utile, super pratique. Si vous avez pas mal d'onglets sur Safari qui disparaissent, par exemple vous les avez effacés d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. Donc comment faire? C'est très simple. D'abord vous allez sur Safari, voilà, comme moi vous pouvez voir que je suis sur Safari. Bien évidemment ce tuto fonctionne pour les iPads, les iPhones ainsi que les iPods. Voilà. Si vous avez des appareils donc Samsung, Android ou autre, ce tuto ne sera pas pour vous malheureusement. Voilà, donc une fois que vous êtes sur la page Safari, comment on va faire? Alors c'est très simple, vous pouvez voir tout en haut. Donc moi je suis sur un iPad, donc c'est tout en haut, le petit plus. Vous en fait, si vous êtes sur un iPhone ou un iPod, ça sera en bas. Mais il faut cliquer sur le petit plus. En fait, vous allez cliquer et maintenir votre doigt sur le plus, donc comme ceci, voilà. On attend. Et là, vous pouvez voir qu'il y a écrit onglet fermé récemment. Voilà, vous pouvez voir tous les onglets que j'ai fermés récemment. Moi, je vais reprendre l'onglet donc que j'ai supprimé tout à l'heure, comme vous avez pu voir, donc les chaussures de route. Et voilà, on arrive directement sur l'onglet qu'on a récemment supprimé. Voilà, donc c'est une petite astuce qui va vous permettre en fait de pouvoir retrouver vos onglets supprimés. Donc ceux, par exemple, que vous avez supprimés, comme je vous ai dit, par erreur ou autre. Donc voilà, donc avec cette tuto, cette astuce, vous ne perdrez plus rien sur votre téléphone. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour retrouver vos onglets qui ont été fermés sur Safari. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire retrouver ses onglets fermés sur Safari. C'était Benjor, à bientôt.